J'adore la ciboulette. Dites-moi en commentaire si vous aimez la ciboulette. J'adore les patates. Pâté des oignons. Des oignons? Non, des patates. Top à la vachette. Alors, un steak. Oh, j'adore le persil. Bonjour à tous. Manger de saison et à petit budget, ça vous paraît impossible? Pourtant, c'est le défi qu'on va essayer de relever aujourd'hui. Alors restez bien jusqu'au bout de cette vidéo. C'est parti! Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Carrefour France. Moi, c'est Arthur. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va se parler produits de saison, recettes de saison et bien évidemment, budget et petit prix. Pour cette vidéo, je suis bien évidemment pas tout seul comme d'habitude. Je suis avec mon acolyte de course, Lila. Allez. Lila, comment ça va? Ça va et toi? Toujours pas. Lila, on est au milieu des patates. Ouais. Aucun rapport. Si, j'aime bien les patates. Ouais, moi aussi. Lila, quand tu fais tes courses, est-ce que tu fais attention à la saisonnalité des produits? J'essaye. Ouais, mais? Bah, parfois, j'ai du mal à cuisiner ce que j'achète. Donc, J'ai l'impression que cette vidéo, elle va être bien pour vous, mais aussi pour Lila. Non, Lila, en vrai, dans cette vidéo, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer 3 astuces en magasin pour faire vos courses avec un petit budget, toujours de saison et surtout toujours gourmand. Enfin, c'est important, hein, garder le meilleur, parce qu'avec Carrefour, on a tous le droit. Au meilleur. C'est important d'acheter des fruits et légumes de saison, d'abord pour le goût, parce que vous allez acheter des fruits et légumes de saison qui vont être arrivés à maturité naturellement et qui vont avoir un meilleur goût. Et puis, ça encourage également les producteurs locaux, puisque ça vient du champ. On va d'abord déambuler en magasin, faire nos petites courses. Je te montre tes petites astuces. Je montre les petites astuces et ensuite on ira cuisiner à la maison. Cool. Bah cache ta joie. Cache ta joie. J'adore cuisiner. Avant qu'on démarre notre petit périple en magasin, je crois qu'ils ont oublié quelque chose. Ouais, faut s'abonner. Faut s'abonner à la chaîne de Carrefour. Le petit like. Un petit pouce. Et mettez-nous en commentaire quel est votre fruit ou légume de saison préféré. Oui. On tire au sort quelqu'un parmi les commentaires. Le poids, on vous fait gagner votre poids. Par contre, faut qu'il fasse une blague. Okay. Vous nous faites votre meilleure blague en commentaire avec votre fruit ou légume préféré. Celui qui fera la meilleure blague remporte son poids en fruits ou légumes de en question. Ça, c'est bien. Un allez. Peu de créativité là. Moi, je te mets au défi de me faire manger comme Teddy Riner. Alors là, tu vas être surprise. Allez, on prend le petit chariot, on y va, Lila. Let's go. Lila, premier stop, première astuce. On est sur le stand défi anti-inflation de chez Carrefour avec plein de fruits et légumes à moins de 2 euros. Oh, pas mal. Origine France et de saison. Tout donc, ce qu'on veut. Là, le premier stand, en plus, il est identifié, hein, vous voyez. Vous avez les affiches défi anti-inflation avec le prix affiché. C'est identifiable dans tous vos magasins Carrefour. Et franchement, il y a du choix, il y a du petit prix, il y a de la saisonnalité. C'est ça notre première astuce. Visez les stands défi anti-inflation, fruits et légumes. Deuxième astuce, Lila. Comme ça tu bouge, sais. Hein. Comme tu sais, Carrefour est partenaire premium des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. En cette occasion, Carrefour en fait est fournisseur de tous les produits frais qu'il y aura pour les 15 000 athlètes pendant les Jeux. Trop bien. Ah oui, c'est quelque chose, hein. Dis-toi que c'est 40 000 repas servis par jour. Par jour? Ouais, c'est toute une logistique, c'est énorme. Et en fait, c'est des produits frais que vous pouvez retrouver ici en magasin. Tu vois, tu me disais tout à l'heure, est-ce que je peux manger comme Teddy Riner? Oui, tu peux. Ouais. Parce que les produits que Teddy Riner mangera pendant les Jeux, vous pouvez l'introduire ici en magasin. Bien sûr. C'est tout un panel de produits de saison en plus, qui varie du coup en fonction des saisons, vous l'avez deviné, qui sont entre 1 à 3 euros et que vous pouvez retrouver ici en magasin, en général sous ces petites affiches, avec l'opération 3-2-1, 3 parties. Trop bien. Et du coup, on retrouve comme produit la feuille de chêne, du steak à 1 euro, il y a des hautes cuisses de poulet, pour ceux qui adorent les protéines. Il y a des barquettes de fraises à 2 euros qui sont en train d'être mises derrière moi. Et les pommes. Et des pommes, j'adore les pommes à 2 euros. Oh, c'est pas mal ça. Ouais, c'est pas mal du tout ça. Donc du coup, ça vous donne des produits de saison. Mais en plus, ça donne des recettes, des idées de recettes, des idées de plats. Voilà pour la deuxième astuce. Ça, vous pouvez le trouver en magasin sous ces sigles-là. C'est que des produits frais, profitez-en. Ça vaut vraiment le coup. D'ailleurs, nous, on va aller se remplir un petit panier pour se faire un repas. De champion. Lila, regarde. Barquette de fraises. 2 euros. La fraise française. Fraise française, hein. Ça, c'est direct dans le panier. Hein. Ouais. On en prend. Et là, on se retrouve pour la troisième astuce.
Mais j'ai l'impression que la troisième astuce, tu connais un petit peu parce que tu pratiques. Je pratique un peu la troisième astuce. Ouais. Tu me l'as dit là. Ouais. La troisième astuce, je vous la donne, mais je pense qu'il est là, vous la détaillera. Si vous voulez consommer des fruits ou légumes de saison, vous pouvez aussi vous rabattre sur les conserves ou les bocaux. C'est pour les gens fans de légumes d'été. Je vais vous montrer ma petite astuce. Tu nous montres ? Ouais. C'est parfait d'avoir un exemple en plus. Duo de poivrons grillés ? Vous voyez ça ? Aïe, aïe, aïe. Ça me permet de manger des poivrons toute l'année. Ah oui. J'adore les poivrons, j'adore les aubergines, j'adore les tomates. Et ça, c'est parfait. Moi, je fais pareil, mais avec la ratatouille. Ah bah oui. Ouais, les bocaux de ratatouille, je sais pas où ils sont là, mais... C'est de là. Tu vois ça ? Même la Reflet de France, elle est... C'est ultra bon. Et ça, ça permet de manger de la ratatouille, donc des légumes qui sont pas forcément de saison, toute l'année. Et les bocaux, je vous montrerai en cuisine, mais on peut les réutiliser. Non. Oh là là, ça les aussi. Les meilleurs légumes. Ah ouais, ça, les aubergines, elle est bon. Voilà. Ça, du riz. Vous avez votre repas, mais en 5 minutes. Par rapport à la saisonnalité, parce qu'on fait que de parler de saisonnalité, mais comment on fait pour savoir quel légume ou quel fruit est associé à quel mois, quelle saison ? Il y a plusieurs options. Soit vous avez une petite application qui vous dit que tel fruit et légume est de saison, ou alors, vous pouvez aussi utiliser notre petit assistant intelligent Hopla sur carrefour.fr et vous lui posez la question. Donc qu'est-ce qu'on peut lui poser par exemple à Hopla ? C'est quoi la saison des tomates ? Les tomates sont généralement de saison en France de juin à septembre. C'est durant cette période que vous pourrez trouver les tomates les plus savoureuses et juteuses dans votre magasin Carrefour. Bah voilà. Bon bah là, ça va hyper vite, t'as vu, il nous a répondu en même pas 5 secondes. On peut pousser la réflexion un peu plus loin, c'est-à-dire qu'avec Hopla, vous pouvez aussi lui demander, tu l'as souligné à juste titre, Lila, on peut lui demander une recette aussi. Eh oui. Donc par exemple, trouve-moi une recette de saison avec de la tomate en conserve. Est-ce qu'on peut pousser jusque là ? Bien sûr, je vais vous proposer une recette de ratatouille, un plat typiquement français qui utilise des tomates en conserve. C'est un plat parfait pour les besoins. Une boîte de tomates en conserve, deux aubergines, deux courgettes, un poivron, un oignon. Eh bah parfait. Bon, Lila, on termine nos courses. Ouais. Et rendez-vous à la maison pour préparer les recettes. Vous restez avec nous, hein. T'as aimé les petites astuces ? J'adore tes astuces. Eh bah c'est pas fini parce que vous allez voir les recettes à la maison. Il y en a de l'astuce, du tips. Allez, c'est parti ! On est de retour à la maison pour cette fois-ci la partie recettes de nos produits de saison. Regardez-moi ça, on a fait des belles courses, hein. On a fait de très belles courses. C'est pas mal. Alors, sachez qu'on ne va pas tout cuisiner. Là, on va vous proposer une entrée, un plat, un dessert de saison. À petit prix. Tout à fait, bravo, on se check. C'est raté. Voilà. On ne va pas utiliser tous les produits. On en fera également d'autres recettes que vous pourrez voir sur notre compte Instagram Carrefour France. Donc... Et notre compte TikTok. Et TikTok, je l'ai. Et Facebook. Aujourd'hui, le chef vous propose, dans son menu de saison, en entrée, salade de feuilles de chêne avec un pesto de roquette et omelette de champignons. Bien. Pour le plat, un steak à cheval. Pardon. Smash potato. Smash. Avec oignon caramélisé. Là. Et en dessert, des fraises au chocolat. On peut commencer par le dessert ? Non. Ah. On va tout de suite commencer par l'entrée. Suivez bien. Likez la vidéo, c'est mardi! On a terminé les recettes avec Lila, entrée, plat, dessert. Bon, c'est donné sur la préparation. Alors moi, je présente omelette champignon, feuille de chêne, pesto de roquette. Mamma mia! Quelle luna! Et ici, on a un steak à cheval, des smash potatoes. Ça a l'air excellent, ouais. Et une très belle compote d'oignon. Caramélisé. Ouais. Ça a l'air délicieux. Ça a l'air bon. Et en dessert, minimaliste mais efficace, des petites fraises au chocolat. Voilà une idée de menu entrée, plat, dessert équilibré de saison. C'est moins de 2€ là. Ouais, là on est sur quelque chose à moins de 2€. Franchement, on doit être sur moins de 2€ facile le menu. Et en plus, ouais. On mange un peu comme des athlètes là. Et c'est vrai ça, on mange un peu comme des champions. Hein. Waouh, bon. Eh ben écoute, on va se régaler. On va se régaler, on va goûter ça. Si vous voulez réessayer les recettes chez vous, n'hésitez pas, on vous mettra le détail des ingrédients en description. Pour les autres recettes qu'on va faire avec le reste de ce qu'on a acheté, ces petits bocaux là, tout le reste. Suivez-nous sur Instagram, on va bombarder de recettes. Donc suivez-nous pour voir les autres recettes de saison. Et puis bah nous on va se régaler en dedans là. Ouais. Allez, nous pendant qu'on se régale, tiens Lila, prends tes couverts. Elle veut faire les fraises directement. On se dit à la prochaine. À la prochaine. Pour d'autres astuces, du cerveau là derrière. Abonnez-vous à la chaîne de Carrefour.
Allez, ciao. Ciao.